Avec la permission du tribunal, Monsieur Sano. Présent. Tenant compte de vos fonctions au moment des faits, de vous trois ici présents qui comparaissent par devant ce tribunal, qui est plus proche des corps au moment des faits? Qui était plus proche des corps? De vous trois ici présents. Du ministre Diaby, du médecin légiste, de vous, haut fonctionnaire de l'armée. Mais, monsieur, l'administration est bien structurée. Il y a des gens qui s'occupent de la partie santé. Il y a des gens qui s'occupent d'autres choses. Donc, vous pouvez comprendre quels sont ceux qui étaient directement intéressés à cette affaire. Vous avez parlé d'un nombre important. Le médecin légiste dit le contraire. Hein? 58. Vous vous dites qu'il y a 150 et quelques. N'est-ce pas? Hein? À qui on peut poser la question de savoir le reste des corps? Peut-être c'est celle qui a fait le rapport, parce que c'est elle qui a mis ce nombre-là dans le rapport. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Docteur Et le Diaby. Rapport a été donné à plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Docteur Diaby. Donc c'est consigné dans le rapport. Docteur Diaby. Oui, maître. Étant le ministre de la Santé. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et vu tout ce qui se passe maintenant autour de ce corps, à qui on doit demander des explications par rapport à ce corps? De vous trois. À Sano, ou au médecin légiste, ou à vous? Ah, maître. Je crois que là, c'est clair. C'est celui-là qui a été informé de la présence des 150 corps. Monsieur Sano. Vous avez suivi, docteur? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je n'ai vu qu'un papier. Ce qui est écrit sur le papier, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Sandou. Je n'ai pas touché les corps. Je n'ai pas été associé. Monsieur Sandou. Comment moi, je peux savoir exactement combien était dans les camions? Je ne peux pas. Monsieur Sandou. Oui. Un Guinéen, n'importe lequel. Oui. Ayant connaissance d'une infraction n'importe laquelle a l'obligation de fouiller ou d'informer. Est-ce que vous avez informé? Est-ce que vous avez suivi pour savoir exactement la suite? Maître, tous ceux qui ont reçu ce document, c'est parce que eux ils n'ont pas dit, c'est parce que moi j'ai dit. Sinon je ne suis pas le seul à savoir qu'il y avait ce nombre-là dans le rapport. Docteur Diaby. Oui, maître. Monsieur Sano avait-il l'obligation de remonter la bonne information, oui ou non? Ah, maître. Là, le tribunal va apprécier. Docteur Hassan, comme c'est le contradictoire, pour le bon sens, vous avez connaissance d'une information. N'avez-vous pas l'obligation de remonter cette information à qui de droit? Oui, je pense, oui. Une information telle que si vous étiez à la place de M. Sano, est-ce que vous n'auriez pas informé qui de droit ce qui s'est passé réellement par rapport à ce homme? Bon, moi j'aimerais bien que vous me posiez des questions relatives à la gestion des corps. D'accord. Voilà. C'est destiné plutôt à M. Sano. À M. Sano. Je n'ai pas géré, maître. Merci, M. le Président. Je n'ai pas terminé. Géré. J'en ai terminé.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Et Monsieur Sano. Présent. Et quelle est la source à partir de laquelle vous avez tiré le chiffre 157 corps? Je dis le rapport que la dame m'a remis. Ce rapport-là, oui. Où s'y trouve-t-il? Ce rapport a été donné à plusieurs personnes, même les responsables, mes chefs ont reçu ce rapport. Lesquels? Plusieurs personnes, c'est pas précis. Je crois, mais elle l'a donné à beaucoup de personnes, hein, parce que moi j'ai voulu. Quelles sont les personnes qui ont reçu ce rapport? Ce que je connais, c'est ce que je veux vous dire. Quand elle m'a remis ma copie, j'ai dit, ok, je vais remettre ça au ministre de la Défense. Elle me dit non, qu'elle-même, elle va déposer pour ses chefs. Et le ministre et le président, qu'elle va déposer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je crois qu'ils ont reçu leur copie. Monsieur le ministre Diaby. Oui, maître. Voilà. Et de quelle source est-ce que le chiffre que vous avez avancé ici, qui est confirmé également par le général Valentin, 54 corps, de quelle source vous tenez ce chiffre? Est-ce que du même rapport dont général Sano fait état? Bon, non. Non, moi, en général, globalement, par rapport au décès, le professeur Hassan me faisait des briefings, des rapports. Le dernier rapport même qu'il m'avait remis, à l'époque, c'était sous forme de brochure, où il y avait le nombre de morts, où il y avait même les noms de ces morts qu'ils ont pu identifier. Lorsque ça, c'est des sources hospitalières. Ok, des sources hospitalières. Ouais. Lorsque vous avez été appelé... Mais pardon, maître, je n'ai pas reçu le même compte rendu que général Sano. Lorsque vous avez été appelé au camp, oui. Voilà, on ne vous a pas fait voir le rapport dont général Sano fait état? Non, non, non. Et professeur Hassan, est-ce qu'en recevant les corps et en provenance du camp, vous les avez reçus? Est-ce que le chiffre que vous avez avancé ici, qui est confirmé également par le général Valentin, 54 corps, de quelle source vous tenez ce chiffre? Est-ce que du même rapport dont général Sano fait état? Bon, non. Non, moi, en général, globalement, par rapport au décès, le professeur Hassan me faisait des briefings, des rapports. Le dernier rapport même qu'il m'avait remis, à l'époque, c'était sous forme de brochure, où il y avait le nombre de morts, où il y avait même les noms de ces morts qu'ils ont pu identifier. Lorsque ça, c'est des sources hospitalières. Ok, des sources hospitalières. Ouais. Voilà. Lorsque vous avez été appelé... Mais, pardon, maître, je n'ai pas reçu le même compte rendu que général Sano. Lorsque vous avez été appelé au camp... Oui. Voilà. On ne vous a pas fait voir le rapport dont général Sano fait état? Non, non, non. Et professeur Hassan, est-ce qu'en recevant les corps et en provenance du camp, vous les avez reçus avec le rapport dont général Sano fait état? Non, maître, il n'y avait pas de rapport. Donc, vous avez reçu des corps sans rapport? J'ai reçu des corps dans des camions militaires que j'ai enregistrés et j'ai mis dans les chambres. Je n'entends pas, monsieur le président. J'ai reçu des corps dans des camions militaires que j'ai enregistrés et j'ai mis en chambre froide.
En d'autres termes, aucun document n'accompagnait les corps que vous avez reçus. En d'autres termes, je n'ai pas reçu de rapport, maître. Merci, monsieur le président.